je voulais juste vous prendre avant que la vidéo commence pour vous parler vite fait de Ambrasia. C'est un serveur PvP faction modé en 1.7. Ils m'ont contacté, ils voulaient que je vous présente vite fait le serveur, mais j'avais pas vraiment le temps et j'avais pas vraiment envie de vous foutre une grosse présentation. Donc je vais faire vite fait avec une minute pour vous expliquer le serveur et espérer vous le vendre. Le serveur ouvre le 20 août, donc si quelque chose que je vais dire suivant vous plaît ou quoi, vous pouvez aller jeter un coup d'œil. Vous voyez le trailer qui déroule en même temps. Donc il y a un système de classe unique, il y a aussi des enclaims farm d'or, des spectres pour trouver des skybase, il y a vraiment des ajouts pour trouver pour les pillages et les trucs comme ça. Donc ça, je trouve ça vraiment intéressant. Il y a aussi de nombreux ajouts comme la dynamique, les C4, des armes légendaires, des distributeurs à la Fortnite, donc comme des machines à potions, des trucs comme ça par exemple. Il y a des nouveaux mobs, donc la chèvre, le Minotaur et le Centaure. Il y a aussi plein de trucs comme des bottes d'exploration, des kites et des récompenses journalières. Et bien sûr, tout est achetable en jeu. Donc si tout ça vous fait plaisir les amis, allez jeter un coup d'œil au serveur qui ouvre le 20 août. N'oubliez pas que cette vidéo là a été sponsorisée. Vous pouvez voir dans le coin de la vidéo comme quoi que la vidéo a été sponsorisée. Je vous laisse sur la vidéo. Bisous bisous. What's up, gens de l'internet, j'espère que vous êtes bien aujourd'hui pour le plus grand pays de personne parce que je n'ai pas d'amis aujourd'hui. J'ai mis une vidéo très content de faire cette vidéo là parce que nous avons trouvé le cœur de la Haribo. Donc on se promenait aux zappés tranquillement comme ça. Un de mes potes a eu la brillante idée de regarder dans les claims de la comment il s'appelle de la Haribo. Et magnifiquement, ils ont trouvé le cœur. Je vous laisse regarder qu'est-ce qui se passe par la suite. Mais pour cette vidéo-là, c'est la vidéo la plus importante de ma chaîne. Parce que on est rendu premier au classement avec une grosse avance. Vous allez voir à la fin combien qu'on a d'avance. Donc ça me ferait vraiment plaisir si vous pouviez laisser un pouce bleu sur cette vidéo-là. Mais aussi, allez voir la chaîne de mon ami Onyx Freeze. Il fait beaucoup de vidéos en ce moment. Il a eu son grade partenaire hier sur le serveur. Donc il est plutôt content. Il va vous charbonner plein de vidéos et tout. Donc... si ça vous intéresse, allez faire un petit tour là-dessus. Et puis, n'oubliez pas, les amis, de vous abonner si vous n'êtes pas déjà abonné. J'ai remarqué qu'il y avait beaucoup d'entre vous qui n'étaient pas abonnés à ma chaîne YouTube. Donc, si vous n'êtes pas abonné, c'est le moment de le faire. Abonnez-vous et puis on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Encore une fois, je vous aime. C'est Tycons. Let's go, on vise les 300 pouces bleus. Ciao, ciao. Eh, par contre, est-ce que je pourrais péter le dernier creeper comme ça on voit mon pseudo? Parce que c'est moi qui rentrais dans le monde. Ouais, si tu veux, on s'en fout. S'en fout, moi. Moi, c'est tout le temps toi, mec. Pomme d'or. Certes, tu mets tous les creepers, mais à chaque fois, on se fait quand même chier pour rentrer dans le creeper. C'est moi qui rentre tous les creepers quasiment. Là, c'est pour une fois que c'est toi, c'est cool. Non, la Haribo, Google Plus, c'est moi. La Haribo, c'est moi. La Google Plus, c'est pas. Ah ouais, mais la Google Plus, ouais, mais je parlais de l'ancienne. Je pensais que tu parlais de l'ancienne. Ok, ouais, ouais. C'est à qui je mets TP? Gamer. TP-toi à moi, Icon, si tu veux. Allez, vas-y, vas-y. C'est mon beat. Allez, fais péter, on veut voir. Mais Nathan, je veux que tu suces ma bite. Non, je regarde, bah allez, t'es moi. Non, c'est bon, go. 17 points d'or. 4.12. C'est parti, les gars. On va passer un rec, Aiko. Ouais. Bah ouais, t'imagines, mec, c'est la Haribo. 91 points, slash F info. Mais ils ont pas pensé, en fait, que l'autre côté de la bedrock, on pouvait usebug Crashco, en fait. Je comprends ce que tu viens de dire, c'est trop de bedrock, mais en fait... Là, ils ont déjà perdu 800 points, 1000 points. Non. Si. Oh, le truc de ouf. T'es les premiers? Donc non, c'est les deuxièmes. Ah. C'est nous les premiers, gros, t'es cool, quoi. Ah ouais. Bah, je sais pas, ça fait longtemps, je suis pas cool. Bah, je vais essayer de récupérer la space option un peu parce que voilà. Mais mec, y'a que de la space option tout en fait. Après, y'a trois couches de space option là. Tu me dis quand je fais péter, hein. Ok. Mec, bah, l'épée là, elle est disparue là par exemple. Gamer là, c'est bon. Gamer, tu l'as. Trade. Proto. Moi j'ai 33 creep là, je fais péter mes 33, faites péter les autres et après, comme ça vu que c'est toujours moi qui dépense les creep. J'en ai pas moi. N'empêche, à vous, c'est un génie de rentrer par là. Hein. Ouais, bah en fait, ils sont un peu cons en fait. Quand tu y penses, ils sont un peu stupides parce que le côté c'est la partie au staff donc tu peux quand même crash co, tu vois. Et en fait, vu qu'il n'y a aucun endroit pour se TP, quand tu TP ton pote, ça le TP direct dans le cœur. C'est vraiment pas. C'est pas con du tout ce que t'as pensé. Tu veux dire, t'étais ingénieur de ouf. Bien, c'est mon dernier ça. J'en prends 30 mais après. Tu sais faites péter vos creeps, ensuite je continuerai à péter les miens. Je kiffe trouver des solutions pour piller des cœurs, c'est ça que je. Enfin, des bases, des cœurs. Mais c'était pas. En vrai, quand on y pense, c'était pas con du tout en fait, leur cœur dans la paix. Oui, tu sais quand tu y réfléchis, mais il faut qu'ils mettent au plein milieu de la paix en fait. Je sais pas si on peut pas passer par en dessous pour. Non. On peut casser des blocs en dessous où il y a de la bedrock. Non, je peux pas. Il y a de la bedrock toute la ligne. Ouais.
Donc ça veut dire qu'ils auraient mis leur cœur au milieu, mec, ils auraient été vraiment pillés. Enfin, compliqué à piller avec des creeps aquatiques. Il y en a encore un. J'en ai plus. Vas-y, proto, gamer, à toi. Ouais, c'est à moi, c'est à moi. Vas-y, bah moi j'en ai pas en fait. On est passé les 30 000 points, on a passé les 30 000 points. Je veux juste acheter un dernier creeper. Ils ont passé les 19 000 points. Vas-y. Je suis un gamin. 30 000, on est à 30 000. C'est, ça c'est rentable de ouf, j'ai jamais fait un pillage autant rentable dans aucune des saisons. Genre, personne a cramé pour l'instant, y'a personne de leur pack de co pour l'instant, c'est bon. Ouais, t'inquiète, je suis en train de. Vas-y, en attendant, t'es gamer, j'achète. Vas-y. Non, j'en ai qu'un, moi je le garde juste pour péter le dernier en fait. Comme ça. Par contre, hey, vous vous écartez bien pour que je prenne le dernier point. Parce que moi j'ai jamais eu le truc. Si tu veux vraiment que les gens ils râlent dans le chat, tu fais Icons ou Onyx et c'est bon. Vu que nous on est famous, un peu entre guillemets, ça va râler. Les gens ils vont dire what the fuck et tout. Là, les gens ils savent pas que ça se passe en ce moment là. Bah non. C'est ça qui est le plus drôle. Sache nier, on est juste nous. Ils vont faire slash. Eh, est-ce que Onyx et Proto, vous pouvez aller voir Icons là parce que je vois plus. Enfin, attendez, vous pouvez voir. Là, voilà, là. Les gars, on pouvait voir. On voilà, comme ça, moi je peux vous voir. Vous pouvez voir là, on est aux AP. Vas-y, c'est moi qui paye, Icon. Vas-y, vas-y, j'en ai encore 13, tu peux attendre un peu si tu veux. Vas-y. T'en avais pas deux stacks? Ouais, mais je prends 32 à la fois, gros, t'es con. Imagine, ils se connectent et je perds 67 creepers contre eux, je veux pas. Hein. Mec, on a déjà pris plus de 6000 points. Mais en fait on va avoir plus de 7000 points, mais quel truc, c'était de la merde. Je te l'avais dit. Ah, j'ai un motif. On est à 33000 points les gars. C'est bon, Icon. Désolé, y'a un gars qui veut me donner 15 creepers, mais en fait j'ai dit attends. Y'a du space ou de la mété dans leur cœur. Non, ça me surprendrait. Oh, ils sont riches. Mais en vrai le serveur genre... Non, il est éteint parce qu'on l'a cassé. Il est pas éteint sinon. Quand dès qu'il se fait attaquer, il est éteint. Mais tu sais, les admins ils m'ont dit un truc, genre ils voulaient faire un truc au début de version. Si tu mets du space, t'as plus, tu récoltes, tu sais, la barre elle va plus vite, tu récoltes plus de points et tout. Mais en vrai, moi je trouverais que ça serait une bonne idée, tu sais pourquoi? Parce que c'est pas tout le monde qui utiliserait leur space pour faire des stuff, ils l'utiliseraient pour faire générer plus de points. Donc le space à 10 000, le space, ça serait utile de ouf, tu vois. Vas-y, Non, il sera encore plus cher le space du coup. Le space il montrera plus cher et tous les trucs de space, les items space, tout deviendrait beaucoup plus rentable. Dans le sens que si tu veux te crafter un plastron, ça te coûterait plus de PB, plus de trucs comme ça, tu vois. Donc en vrai, ça changerait toute l'économie du serveur et moi je trouve que ça serait une bonne chose en fait. Parce que c'est toujours la même chose. Ce qui serait bien aussi, ce serait qu'il y ait des améliorations pour le cœur. Qu'on puisse mettre des améliorations. Ah, ça c'est vrai. Ouais, j'avoue. Ou que quand le cœur est basse de points, il ait des trucs, il soit plus joli, il soit différent des autres cœurs. Ouais, il sera plus stylé, ouais. Et tu puisses craft des design, améliorations. Comme ça. Bon, après, genre ça arrivera peut-être pour les prochaines stockage, saisons, de power et tout. Et ouais, rajouter plus de trucs comme les boucliers, genre un endroit pour rajouter des boucliers, des ajouts, des trucs comme ça, tu parles. Genre, tu sais, pourrais avoir la ligne de points et tu pourrais avoir aussi une lignée de trucs pour. Genre, ouais, faut plus de creeps pour le péter ou un truc comme ça, tu vois. Mais ça coûterait méga cher, genre 100 000, tu vois, un peu comme le skill. Pour éviter de prendre le dernier truc. T'imagines, mec, un cœur solidité 3. Ouais. Ouais, mais tu vois, c'est plus si tu prends toi là où il y a Onyx, s'il te plaît, pour éviter de prendre les points. Ouais, ça lag. Oh, ça lag, mec. Le serveur veut pas qu'on le pille, le serveur veut pas qu'on le pille. Le serveur protège son cousin, c'est l'abus du serveur, wallah. Oh, mais c'est Snizzax. Oh, c'est Snizzax, le mec tout à l'heure il m'a MP pour me dire qu'il avait un pillage. Onyx, mets-toi là où il y a Proto, s'il te plaît, pour éviter de prendre les points. Mais mec, il a 10 km contrairement à moi qui a. Donc là il en reste plus 7. C'est bon, t'es ok. Merde, j'ai des creepers avec toi. Vas-y, il m'a resté un moi. Onyx, bouge-toi, il veut l'avoir, laisse-lui. Ouais, vas-y. Voilà, moi j'ai plus de creepers. Attends, moi, je vais. Vas-y, moi j'en ai un, Tu peux voir le truc s'il vous plaît. Boum. Bien joué les gars. Et là, c'est parti. Bon, alors moi là, j'ai payé une vingtaine de creepers. Ça va. GG les amis. GL. Bien joué à vous les gars. Bonne chance. Je leur dis tous bonne chance parce que là mec, 36 000 points MG. Il y a encore 14 000 points quand même, hein. Donc s'ils se reposent un cœur, ils nous pillent ou quoi, ils sont encore bien les gars. Il y a 22 000 points de différence. Ils ont perdu combien de points du coup? Environ 20 000. Ils sont quand même les premiers, mec. Les deuxièmes. Non, mais je te promets, ils reposent un cœur, je le retrouve, hein, je m'en fous.